I would like to introduce the next speaker, Gilbert Delmarmont, who's also from Belgium. So we have a very eminent membre from Belgium this morning. Gilbert is a business leader, or was a business leader, is now and is also an author, a lecturer, and will speak about the positive economy. And he also had a lifetime experience, which actually dramatically changed his life and that changed his career. So a warm welcome to Gilbert de Marmol from all of you, please. You need. OK, tout le monde m'entend. Bonjour à tout le monde. D'abord, je veux dire mes remerciements à Jean et à Christophe pour l'invitation. Je suis extrêmement honoré d'être ici ce matin. J'ai été, comme toujours, ce n'est pas la première fois que je l'entends, très impressionné par ce que fait Günther. Et puis, comme vous tous, probablement, j'ai été très touché par l'exposé de Nevi et puis ces deux jeunes entrepreneurs africains. Je veux dire, moi, ça me met en joie. Je fais un métier assez particulier. J'ai été dirigeant d'entreprise pendant 15 ans, en Europe principalement, et aussi actif aux États-Unis. Et depuis une dizaine d'années, en fait, ce que je fais aujourd'hui, j'aide les entreprises à réconcilier trois mots. Le mot économie, le mot écologie et le mot sens. En clair, ma philosophie est de dire que la raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas la maximisation du profit. Oh, bien sûr, il faut être rentable pour payer les salaires et la recherche et développement. Mais la vraie raison d'être d'une entreprise, c'est ce que j'appelle la création de valeur partagée. J'ai, vous allez le voir, une passion pour le vivant et pour le biomimétisme. Et dans les actions que j'ai au quotidien, je m'occupe aussi d'une fondation qui finance beaucoup l'entrepreneuriat social et la promotion des solutions innovantes. On est très actif dans un domaine qui s'appelle la permaculture, entre autres choses, certains d'entre vous connaissez. C'est une nouvelle façon de faire l'agriculture. Et la philosophie derrière la permaculture, c'est de dire qu'on doit mettre en place un système qui respecte l'environnement, qui respecte les gens et qui crée de l'abondance partagée. Et c'est vraiment ça que j'essaye de transmettre aujourd'hui dans les entreprises. Et ce que j'ai vu ce matin avec ce qui se passe en Afrique et les exemples qu'on a eus m'a vraiment mis en joie. Je pense que c'est extrêmement important. Donc je me sens très honoré et avec beaucoup de gratitude pour être là. Alors, le point de départ de... Ça va fonctionner, super. Le point de départ de mon action dans les entreprises ou auprès des entrepreneurs sociaux, ben, il est assez simple. C'est le constat qu'on fait tous dans notre monde. On vit dans un monde qui va de mieux en mieux, qui va de plus en plus mal et qui va de plus en plus vite. Qui va de mieux en mieux, quand on écoute Günther et les réalisations qu'il fait, on dit qu'il y a des solutions incroyables. Quand on voit cette Afrique qui se lève, dont on a besoin, on se dit que le monde va mieux. Et puis, quand on ouvre les journaux le matin, on a ces polycrises. Et tout s'accélère. Et donc, en fait, un monde qui va de mieux en mieux, de plus en plus mal et de plus en plus vite, c'est un monde qui devient chaotique. Vous savez, l'origine du mot « chaos », les Grecs considéraient que le chaos, c'était ce qui précédait la création du monde. Ça voulait dire que ça ouvrait la porte à tous les possibles. Que ce soit l'effondrement ou l'émergence de quelque chose de nouveau. Et quand vous regardez la théorie du chaos, qui existe depuis les années 70, vous retrouvez des noms comme Ilya Prigogine ou bien Erwin Laszlo, il vous explique que des choses se passent toujours à peu près de la même façon. Vous avez trois graphes. Vous avez une situation où c'est stable. J'espère que ceci va fonctionner. Donc c'est cette situation-là, c'est stable. Et puis arrive un événement interne ou externe, qui fait que le système se met à osciller. Et puis, il y a une amplitude, comme une vague. Et puis, l'amplitude augmente, fait la fréquence, la récurrence, jusqu'à un certain point. Et quand vous arrivez en haut de l'amplitude, il y a deux possibilités. Soit l'effondrement, c'est exactement ce que nous dit le Club de Rome. On est en Suisse, je vais dire, en 74, et ça a été confirmé en 2004. Que nous foncions tout droit dans un train qui allait vers nulle part. C'est ce qu'a confirmé également une étude de Stanford en 2007, disant qu'on était à l'aube ou au seuil d'une nouvelle extinction. Il y en a eu 5 au préalable, celle-ci allait être la 6e, mais ça allait être la première qui serait due à l'Homo sapiens. Donc ça, c'est une possibilité, c'est l'un des possibles.
Mais ce que nous apprend également la théorie du chaos, c'est qu'autre chose est possible. C'est que le système peut se stabiliser à un niveau plus élevé et qu'on peut créer quelque chose de fondamentalement différent. Et je reviens sur ce qu'a dit Navi, et je reviendrai souvent là-dessus. Une des clés, c'est la conscience. Nous avons fondamentalement toutes les solutions techniques, technologiques pour régler les problèmes. La clé pour atteindre ce niveau-là, c'est vraiment la conscience. Et je reviens sur un des premiers TED Talks qu'a donné Al Gore. Il disait, mais effectivement, c'est quand il présentait son film, on est au bord de l'effondrement, mais en même temps, on est peut-être au seuil d'une nouvelle période de renaissance. On a vraiment la capacité de construire quelque chose de très différent. Et mon point, il est là. Et j'ai cité Prigogine ou d'autres scientifiques. Je voudrais juste vous donner un point de vue avant de passer à l'économie régénératrice, qui pour moi est une réponse à ce stade-là. Je vous ai dû donner un point de vue un peu plus métaphysique et vous relater une conversation que j'ai eue en 2005 au Moyen-Orient avec un vieux maître soufi. Le soufisme est la voie mystique de l'islam. C'est une philosophie qui est superbe. On était en 2005, je pense que c'était au Caire, et j'ai eu la chance de passer 2 heures avec ce vieil homme pétri de sagesse. Et je l'interroge sur le symbolisme du tsunami qui, le 26 décembre 2004, prenait 300 000 vies sur les côtes asiatiques. Et le vieil homme m'a répondu la chose suivante. Ce que tu vois là, c'est la perte des eaux. La Terre va accoucher d'un nouveau monde et regarde bien les contractions dans les années qui viennent. Je n'ai jamais oublié cette phrase-là. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 2007, à partir de l'effondrement de Lehman Brothers, qu'est-ce qu'on a vu ? Un enchaînement de crises hors normes avec une récurrence et une amplitude comme on n'a quasiment jamais vu. Lehman Brothers qui s'effondre en janvier 2008 de mémoire, crise alimentaire. Pourquoi ? Parce que les spéculateurs avaient quitté la bourse de Wall Street, étaient passés sur celle de Chicago et spéculaient sur les matières premières. Donc on avait des problèmes avec le blé, avec le maïs. Et puis ça se calme, et puis on a eu le baril à $150. Et puis ça se calme, et puis on a eu la grippe aviaire. Et depuis lors, on a cette succession de crises qui nous emmène vers le stade ultime. Et donc oui, un monde est en train de mourir et un autre monde est en train de naître. Il y a suffisamment de femmes dans l'assistance pour savoir qu'une naissance est en même temps source d'espoir, mais potentiellement douloureux et dangereux. Alors je pense que c'est vraiment là où nous sommes comme humanité. Ce que j'essaye de faire au quotidien dans les entreprises et de plus en plus dans les universités et les écoles, c'est de proposer aux gens, aux jeunes, plutôt que de rester dans la salle d'attente à croiser les doigts pour que les choses se passent bien, pour que cette naissance du nouveau monde se passe bien, c'est de rentrer dans la salle d'accouchement et de participer au travail des sages-femmes. Et c'est vraiment l'exemple qu'on a eu ce matin, et je remercie les orateurs. Alors pour moi, je suis un utopiste pragmatique. Je regarde le verre toujours à moitié plein, même s'il est plein d'air et plein d'eau. Et effectivement, je crois qu'on a véritablement la potentialité de construire un nouveau modèle qui est déjà là. C'est ce que j'appelle une économie régénératrice. Et pourquoi régénératrice ? Parce que je pense qu'il est trop tard que pour n'être que durable. On a déjà trop impacté la planète. Donc on doit mettre en place un modèle économique qui effectivement génère plus de valeur partagée pour l'ensemble des systèmes. Et c'est là. Qui d'entre vous a vu le film Demain ? Ben voilà, on y est déjà. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que Gunther et Navi en ont très bien parlé. Une économie régénératrice, elle s'articule principalement sur 4 piliers. Un, c'est une économie qui est relocalisée sur les fondamentaux que sont production alimentaire, production énergétique, j'y viendrai dans un instant, l'usage de monnaie locale. Alors, pourquoi la production alimentaire ? C'est en route. Gunther l'a très bien dit. Vous coupez les chaînes logistiques d'un pays ou d'une ville comme Paris, en 4 jours, il n'y a plus de nourriture. Donc il y a urgence, même dans nos pays, d'apprendre à recréer, à retoucher à l'autonomie alimentaire et donc à ramener les lieux de production proches des lieux de consommation. C'est tous les phénomènes qu'on voit avec l'agriculture urbaine. La réappropriation des espaces publics, les toits verts, même les fermes sur le toit ou les fermes verticales. Je ne parle pas des fermes où on met 1000 vaches, je parle des fermes où on utilise vraiment l'agroécologie
ou la permaculture. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une démarche écolo-bobo ou New Age, c'est en train d'arriver, et beaucoup de villes sont dans cette transition-là. Il y a une ville en France, okay, elle est assez petite, s'appelle l'Albi, qui d'ici 2020 a fait le pari de pouvoir tout produire intramuros. En tout cas, sur ce qui est fondamental, fruits, légumes et petites volailles. Vous prenez une ville comme Ottawa, à l'échéance 2020, ils veulent produire 45% de leur nourriture intramuros. J'ai vu le plan directeur de New York, s'appelle Big Apple 2030. Ils ont cette même démarche, ils ont fait des projections. Je présume qu'il y a pas mal de Parisiens dans la salle, vous savez tout ce qui est en train de se passer. Donc, l'autonomie alimentaire, ramener la production proche de la consommation, c'est en train d'arriver et ça ouvre des opportunités incroyables pour les entrepreneurs. L'autonomie énergétique, Günther en a parlé, et puis le dernier intervenant l'a très bien montré également, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que, effectivement, si nous, notre maison produit l'électricité, on n'a plus de facture, notre voiture sera électrique, il y aurait système de grid, tout ça sera très bien, mais dans les pays émergents, si vous avez l'électricité, très souvent vous avez accès à l'eau. Si vous avez accès à l'eau, vous pouvez cultiver. Si vous cultivez avec les nouvelles techniques d'agroécologie ou de permaculture, vous pouvez vraiment à la fois nourrir votre famille et puis commencer un business. Mais peut-être le plus important, c'est ce qu'il a illustré, c'est que si vous avez l'électricité, vous pouvez avoir la lumière. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu au Kenya, à Mombasa ou à Nairobi, quand vous roulez sur les grandes rues le soir après 18h, il y a beaucoup d'enfants sous les lampadaires. Ils étudient, ils ont été à l'école, mais ils vivent dans des slums où il n'y a pas d'électricité. Donc c'est un gros enjeu et c'est en train d'arriver. On a cette capacité. Günther a cité une île, je pense, c'était au large de l'Italie. Moi, j'en connais au large de l'Écosse, Egg Island, et une île au large de Danemark, c'est Samsø. Oui, ils sont déjà totalement autonomes, avec des techniques solaires, hydroélectricité et biomasse. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que sur une des deux, il y a à peu près 500 familles qui y habitent, ils sont propriétaires des installations. Ils se sont mis en coopérative et ils revendent effectivement l'électricité sur le continent, et donc c'est extrêmement rentable. Relocalisation énergétique et alimentaire, et puis aussi ce que j'appelle l'usage éclairé des monnaies locales, des monnaies libres. Pourquoi ? Bien sûr, je dis qu'on a besoin d'une... C'est intéressant d'avoir le dollar et l'euro, bien que c'est une question ouverte, pour pouvoir faire du commerce à l'international. Mais on s'est rendu compte que quand on crée une monnaie libre, une monnaie locale, je pense que la Suisse est bien placée pour le savoir, puisque vous avez une monnaie assez connue qui est le vire, c'est ça ? Eh bien, quand vous utilisez une monnaie locale, elle circule 3-4 fois plus vite dans le système qu'une monnaie spéculative. Et on sait que la santé économique d'un système, elle est liée à la vitesse de circulation de la monnaie également. Or, quand vous consommez localement, vous générez entre 2 et 4 fois plus de valeur pour la communauté, au travers d'emplois, de taxes et autres. Donc tout ça pourrait faire l'objet d'une conférence à elle toute seule. Donc, premier point d'une économie régénératrice, elle est donc relocalisée. Deuxième point, elle est collaborative. Oui, ben, vous connaissez, ce sont tous les systèmes wiki, open source. Navi a abordé le domaine de la sharing economy avec Blablacar. C'est tous les systèmes de crowdfunding, les systèmes de crowdsourcing. Moi, j'adore. Peut-être certains d'entre vous connaissez cette société qui s'appelle Innocentive. Innocentive, je les ai rencontrés à l'EPFL il y a quelques années. C'est une plateforme d'intelligence collective. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est la conjonction de deux mots, innovation et incentive. Vous êtes une PME, un indépendant, une grosse industrie, une collectivité, vous avez un problème technique, vous ne savez pas répondre. Vous allez sur la plateforme, vous postez votre problème. Eux ont une communauté de dizaines, voire de centaines de milliers d'anciens ingénieurs ou de clubs d'ingénieurs partout dans le monde. Vous mettez une récompense qui varie entre 5 000 et 50 000 dollars. Et ils envoient votre problème partout dans le monde. Le taux de succès, 85%. La NASA a résolu en 27 jours un problème vieux de 33 ans. Et c'est un ingénieur civil anglais à la retraite qui a trouvé la solution. Ça, c'est de l'économie collaborative, c'est de l'économie de partage. Alors, comme je vous disais, moi, je suis dans une logique de création de valeurs partagées. Pour moi, Uber, par exemple, qui est un gros débat, ne s'inscrit pas là-dedans. Pourquoi ? Parce que la création de valeurs économiques, elle est captée par une société à Palo Alto. Par contre, les Sud-Coréens ont développé un modèle qui est assez similaire, mais où la société est détenue dans une société d'économie mixte. C'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de la plateforme Uber à Séoul,
des citoyens, des entreprises locales et les pouvoirs publics. Vous êtes là véritablement dans une économie collaborative. Donc, et quand on parle d'économie collaborative, quand on parle de sharing economy, ben, automatiquement, on en arrive au troisième point d'une économie régénératrice, c'est ce que j'appelle une économie fonctionnelle. Fondamentalement, on n'a plus besoin d'être propriétaire de biens. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir l'usage. Alors, c'est bien connu dans le monde du business to business, des entreprises. Peu d'entreprises sont encore propriétaires de leur voiture ou de leur photocopieur. On achète un service, on achète une solution. Même une entreprise comme Michelin aujourd'hui a un modèle où ils ne vendent plus leurs pneus aux transporteurs. Ils les louent. C'est un modèle de service, ils sont responsables de tout le cycle de vie du pneu. Très intéressant parce que c'est très rentable à la fois pour Michelin et c'est très rentable pour l'utilisateur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette économie de la fonctionnalité était connue dans le monde du business to business, elle rentre dans le monde du business to consumer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Imaginez que, fondamentalement, vous n'avez pas besoin d'être propriétaire de votre frigo. Ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir l'usage d'une solution de froid. Si demain le prestataire, je veux dire le producteur de frigo, vous fait une offre comme ça, je peux vous garantir que plus jamais il ne mettra dedans ce qu'on appelle de l'obsolescence programmée. Pourquoi ? Alors, je ne sais pas s'il y a de l'obsolescence programmée dans les frigos. Je suis sûr qu'il y en a dans les fers à repasser. Par contre, parce qu'à la maison, on est, je dis, tous les deux ans, l'aide ménagère vient pour demander un nouveau fer, et l'aide change de temps en temps, et c'est toujours le même problème. Donc on est capable d'aller sur la Lune, de faire des choses absolument incroyables, et on n'est pas capable de faire un fer à repasser, je veux dire, qui dure plus de deux ans. C'est problématique. Pourquoi est-ce qu'ils vont être obligés de faire ça? C'est qu'ils vont être responsables du cycle de vie du produit total. OK? Et en plus, ils sont responsables également de la reprise du produit et du recyclage. On a parlé, je ne sais pas si c'est Navi ou Gunther a parlé de cradle to cradle, l'économie circulaire, on va y arriver dans un instant. Mais effectivement, déjà dans l'économie de la fonctionnalité, le producteur va s'arranger pour que ce soit recyclable un maximum. Encore une fois, ce n'est pas un vœu pieux. Vous savez, aujourd'hui, les producteurs de voitures, si vous achetez une nouvelle voiture, que ce soit Peugeot, BMW ou autre, je pense qu'elle est recyclée et recyclable déjà à 92, voire 95%. Okay, donc on s'achemine vers ce sujet. Encore une fois, cette économie de la fonctionnalité offre des perspectives absolument incroyables. Et puis, quand on parle d'économie fonctionnelle, bah, automatiquement, on parle d'économie circulaire. Ce qu'on appelle en anglais « cradle to cradle », c'est-à-dire d'avoir... En fait, l'Homo sapiens, c'est la seule espèce qui prend de la matière première, la transforme dans un produit dont on n'a pas toujours besoin, d'ailleurs, et en fait des déchets qui ne sont pas utilisables, soit comme matière première ou comme énergie. La nature, elle recycle tout, absolument. Gunther nous l'a expliqué ce matin. Et donc, une économie circulaire, c'est une économie qui est recyclée ou recyclable quasiment à l'extrême. Mais comme l'a très bien expliqué Navi ce matin également avec l'exemple du Danemark, ce sont des business parks qui sont pensés intelligemment pour que les déchets de l'un, et Gunther a donné des exemples également, les déchets de l'un puissent soit être la matière première ou l'énergie de l'autre. Alors, ce modèle, il existe, il est omniprésent, il présente des opportunités incroyables. Moi, je dirige une chaire dans une business school. On a des étudiants de 22 business schools qui viennent suivre sur l'économie régénératrice. Ce sont des étudiants qui sont dédiés au monde de l'entrepreneuriat. Je veux dire, une vraie appétence, une vraie excitation par rapport à ce genre de choses. Mais fondamentalement, ce que je viens de vous expliquer, c'est assez normal. Parce que quand vous regardez ça, une économie qui est locale, collaborative, fonctionnelle et circulaire, c'est une économie qui est bio-inspirée. Moi, j'ai eu une passion pour le biomimétisme. Pour la bonne et simple raison, je pense que la solution à nos problèmes, elle est dans l'observation du génie de la nature. C'est du pur bon sens. Vous prenez notre planète, qui a 4,5 milliards d'années. Vous ramenez à 24 heures, l'homme apparaît à 23h, 55 minutes et 50 secondes. Vous imaginez la courbe d'expérience qu'il y existe dans le monde minéral, dans le monde végétal et animal, sur la production d'énergie, photosynthèse, sur le traitement des déchets, sur la résilience des systèmes. Donc oui, la réponse à nos crises, elle est dans l'observation du vivant.
Et la chaire qu'on anime à l'université, pour la première fois, on fait venir des biologistes qui donnent cours à des économistes. Ce n'est pas simplement un biomimétisme de forme, mais c'est aussi un biomimétisme de processus. Donc oui, ce modèle d'économie régénératrice, il est là, il est en train d'émerger, vous le connaissez, vous êtes déjà peut-être acteurs du changement, mais les facteurs clés, fondamentalement, pour être une entreprise, un citoyen ou un entrepreneur qui va dans cette direction-là, mais les facteurs clés de ce que j'ai pu observer, je suis actif sur 3 continents principalement, au travers de mes activités, Amérique, Asie et Europe. Donc, je peux vous dire que partout dans le monde, il y a des millions d'initiatives, des millions de révolutions silencieuses, de citoyens, d'entrepreneurs, d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises éclairées, je veux dire, qui sont en train d'inventer, on a eu des exemples ce matin, ce nouveau monde. Et quand on rentre dans ces entreprises qui ont pris cette direction-là, les facteurs clés pour devenir acteur de ce changement, la première chose, c'est d'avoir ce que j'appelle une vision intégrale. Alors, c'est quoi une vision intégrale? Très souvent, quand je démarre une mission dans une entreprise, je dis, quelle est votre vision? Alors, on me sort ce qu'on appelle un mission statement. C'est toujours la même chose. Nous voulons être le plus fort ou le plus riche ou le plus performant du monde dans notre secteur d'activité. Ce n'est pas du tout ça, une vision intégrale. Si vous voulez aller, en anglais, on dit de la shareholder value à la stakeholder value, la vision, c'est pourquoi vous voulez exister. Qu'est-ce qu'il manquerait à votre communauté ou à la communauté civile si vous n'existiez pas? C'est pas vouloir être le meilleur du monde dans votre secteur d'activité, c'est vouloir être le meilleur pour le monde dans votre secteur d'activité. C'est pas un vœu pieux. Pourquoi? Parce que pour réussir, vous allez avoir besoin d'agréger toute la communauté, qui est un écosystème. Si vous émettez une vision qui ne parle qu'à l'actionnaire et pas aux autres, ça va être compliqué. Si vous émettez une vision intégrale, réelle, qui inscrit l'entreprise dans sa communauté, vous avez beaucoup plus de facilité pour attirer à vous les bons talents, les bonnes personnes, les bons fournisseurs et les bons clients. Et je crois fondamentalement que la vraie valeur d'une entreprise, c'est la somme des talents motivés. Donc le fait d'avoir une vision intégrale est extrêmement important. Le deuxième élément, je crois qu'on l'a déjà évoqué ce matin également, pour une entreprise, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'usage éclairé de l'intelligence collective. Je vous ai donné l'exemple d'Innocentive. Moi, je travaille beaucoup avec les entrepreneurs sociaux. C'est absolument passionnant ce qu'ils font d'un point de vue innovation et engagement. Une société française qu'on a beaucoup accompagnée, qui s'appelle Make Sense, qui est un entrepreneur social, qui est une plateforme de crowdsourcing, justement, mais pour les entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire, vous êtes entrepreneur social, vous essayez de développer un nouveau modèle pour l'éducation, la nutrition, l'environnement, c'est déjà compliqué. Il y a le sentiment de solitude. Vous allez sur la plateforme, vous postez votre problème, et la plateforme Make Sense va renvoyer ça dans une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs sociaux partout dans le monde qui vont échanger avec vous, gratuitement, les solutions. Même chose, taux de succès 80%. Ils ont développé des savoirs tellement forts en matière d'intelligence collective, parce qu'ils ne se contentent pas de simplement envoyer l'information, ils créent des événements dans la ville de l'entrepreneur où les gens viennent gratuitement l'aider. Ils sont devenus tellement forts dans ces process-là qu'ils ont développé un système qui s'appelle Common Sense, qui est dédié aux entreprises for profit. En allant trouver Coca-Cola, L'Oréal, Renault, la Société Générale ou BNP, en leur disant, mais dans le cas de Sodexo, vous avez 450 000 personnes. Comment utilisez-vous intelligemment cette intelligence, les solutions qu'ils ont? Puisqu'on est souvent dans des structures pyramidales. Et donc, ils sont tellement forts qu'effectivement, les grands groupes les appellent pour, au sein de leur structure, pouvoir créer des communautés, pouvoir créer des tribus avec une émanation. Donc, on est dans une structure aujourd'hui qui n'est plus du tout hiérarchique, mais beaucoup plus en réseau. On repart sur un système de communauté. J'adore ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'il illustre pour moi ce que j'appelle une économie hybride. J'ai vu trop d'entreprises qui étaient, comme on dit, à but lucratif le matin, se comportant éthiquement de façon discutable, et l'après-midi ayant une fondation et une charité. Donc vous pouvez produire des armes le matin et avoir une fondation qui finance les orphelinats l'après-midi. C'est un peu la schizophrénie de notre modèle. Donc je crois, un, que les entreprises à but lucratif doivent urgemment définir un but collectif où tout le monde gagne, de même que les entreprises à non but lucratif doivent s'appliquer les processus les plus performants.
ce que j'appelle une économie hybride, et Make Sense, je vous invite à aller les rencontrer éventuellement physiquement à Paris, même s'ils sont dans plusieurs pays ou sur le web, c'est juste passionnant. Alors, intelligence collective, on en arrive automatiquement à ce qu'on appelle l'organisation en valeur. Qui dans la salle a entendu parler d'un garçon qui s'appelle Frédéric Laloux ? Ah ben, sur un territoire connu. Donc Frédéric Laloux est un ancien McKinsey boy qui en avait marre au bout de 10 ans, entre autres choses, d'être toujours confronté aux mêmes problèmes dans les entreprises. Aux mêmes problèmes, je veux dire, aux mêmes récits, aux mêmes objectifs, aux mêmes douleurs humaines également dans les entreprises. Et donc il a quitté McKinsey pendant 3 ans. Il a pris une année sabbatique. Il a voyagé partout dans le monde pour identifier les entreprises qui fonctionnaient sans hiérarchie, sans patron. Et il en a trouvé. Il les a analysées en détail, une sélection de 14 sur tous les continents. Et il en a tiré des enseignements extrêmement importants. Et pourquoi je me suis intéressé au travail de Frédéric ? D'abord, c'est un ami proche. Il intervient dans les cours que je donne. Mais c'est que dès le début, Frédéric Laloux m'a dit « Moi, je considère l'entreprise comme un organisme vivant. » De nouveau, ce lien avec le biomimétisme. Et donc, un organisme vivant, il n'a pas une structure hiérarchique, pyramidale, avec des niveaux de pouvoir, les gens ont des niveaux de responsabilité. Il a cherché les entreprises dans le monde qui appliquaient ça déjà spontanément. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que, je vous invite à lire son livre qui s'appelle « Reinventing Organization ». Lui, il s'est inspiré des travaux d'un philosophe américain qui s'appelle Ken Wilber, qui montre qu'en fait, l'évolution de nos sociétés, elle se base, au début, nous étions des tribus, quand nous étions chasseurs-cueilleurs, et puis nous avons été des guerriers quand nous étions agriculteurs pour conquérir, et puis quand les terres ont été conquises, on est devenu conservateur, c'est là que sont nées les religions et les nations, pour cadrer le système, et puis avec le siècle des Lumières, nous sommes devenus modernistes, la raison. Et puis, dans les années 60, avec ce qui s'est passé dans la baie de San Francisco, mai 68, on est devenu postmoderniste. Et puis, aujourd'hui, un nouveau mouvement est en train de naître qui s'appelle le mouvement intégral. Les gens qui comprennent l'interdépendance entre tout, exactement comme le modèle biologique. Et Frédéric, il a appliqué ça au monde de l'entreprise. Il dit, vous avez différents types d'organisations. Vous avez la rouge qui fonctionne comme une tribu, comme un clan, comme un gang, avec un pouvoir très fort et parfois violent. Donc c'était le début. Ensuite, vous avez la jaune, ce sont les gouvernements, ce sont des structures, des règles. L'Église a fonctionné comme ça, l'armée fonctionne comme ça, les administrations ont fonctionné, certains fonctionnent encore comme ça. Il dit ensuite, on est rentré dans le modernisme, ça a quand même été, c'est toujours pour certains, le culte de l'individualisme, gagner un maximum, augmenter l'efficacité à tout prix pour gagner plus. Et puis on est arrivé dans le post-modernisme, c'est la green economy, c'est les entreprises où tout ne peut être décidé que par consensus, mais ça ne fonctionne pas très bien le consensus, parce que fondamentalement ça prend énormément de temps. Et puis lui voit émerger ce qu'il appelle les structures opales, ce sont des entreprises qui fonctionnent de façon neuronale, où il n'y a plus de patron. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de hiérarchie de pouvoir, mais il y a plus de hiérarchie de responsabilité. Les gens peuvent prendre des décisions fondamentales d'investissement, mais doivent consulter à 360 degrés les personnes qui vont être impactées par leurs décisions. Okay ? Et aux surprises, ces entreprises sont plus performantes que les autres, sont plus résilientes et souvent même plus rentables. Donc le modèle, il existe complètement. Et ce que dit Frédéric, les 3 points fondamentaux dans ces entreprises, qu'elles soient non-profit, for-profit, qu'elles soient allemandes, américaines, hollandaises ou françaises, la première chose, c'est qu'effectivement, il y a un but noble, un but évolutif. Tout le monde sait pourquoi ils travaillent ensemble. La deuxième chose, il dit, c'est que les gens qui y travaillent peuvent être authentiques, complètement eux-mêmes. Que trop souvent, n'est présent au bureau qu'une partie de nous-mêmes. On met un masque social. Je accompagne certaines entreprises sur ce process-là. Dans beaucoup de ces entreprises, le comité de direction commence par 3 minutes de méditation. On s'assied, on se calme, on se pose,
Et puis on fait un tour de table et certaines font des centaines de millions de chiffres d'affaires, où chacun donne sa météo intérieure. Vous voyez, météo, hein. Comment je vais aujourd'hui en tant qu'être humain ? Vous avez dit, c'est neuneux, ça c'est bisounours. Non, ça facilite beaucoup les choses. Parce que quand vous êtes dans une négociation avec quelqu'un, vous voyez au demeurant souvent, mais que la personne le matin est arrivée en disant, aujourd'hui ça ne va vraiment pas, j'ai eu un problème avec mon fils et autres, et qu'à un moment, peut-être que dans la discussion, il va réagir de façon difficile, vous ferez preuve de beaucoup plus d'empathie et d'intelligence émotionnelle à ce moment-là. Donc c'est ce que dit Frédéric, c'est vraiment ça. Un but noble. Deux, l'authenticité des gens qui sont au boulot. Il appelle ça wholeness, le pouvoir d'être entièrement soi-même. Et la troisième chose, c'est ce qu'il appelle en anglais self-management, c'est-à-dire il n'y a plus de hiérarchie de pouvoir, ce n'est plus les titres, mais il y a par contre plus de hiérarchie de responsabilité, d'empowerment, de responsabilité des gens. Donc pour moi, c'est un modèle qui est parfaitement adapté à l'économie régénératrice parce qu'il considère l'entreprise comme un organisme vivant et qu'il est parfaitement adapté pour gérer ce que j'expliquais, la complexité. Alors, de ce modèle-là, qu'est-ce qu'on voit également ? C'est que pour pouvoir gérer cette intelligence collective, pour pouvoir gérer ces organisations agiles, on a besoin d'un nouveau type de manager, on a besoin d'un nouveau type de leader, des gens qui sont capables d'avoir ce que j'appelle un leadership inspiré, inspirant, et surtout une gestion holistique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une gestion holistique ? Eh bien, ce sont des personnes qui savent développer plusieurs quotients. Vous avez bien sûr le quotient intellectuel, ça c'est très bien. Ça vous permet de processer l'information. Ça fait de vous éventuellement un bon manager. Et puis il y a le quotient émotionnel, le fait que vous puissiez regarder un problème avec les yeux de quelqu'un d'autre, une forme d'empathie. Vous passez de manager à leader. Vous en avez besoin. Ça ne fait pas encore de vous un chic type. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de dictateurs qui sont de bons leaders, qui savent très très bien jouer avec les émotions des personnes. Et la chose la plus importante, peut-être, c'est le troisième point. C'est le quotient spirituel des gens en place. Alors qu'est-ce que c'est que le quotient spirituel ? Ça n'a rien à voir avec la religion. J'ai travaillé avec toutes les obédiences. J'ai travaillé en Inde, aux États-Unis, j'ai travaillé en Afrique du Nord. Le quotient spirituel, c'est vraiment pouvoir redéfinir le sens de sa vie et les valeurs auxquelles on ne peut pas déroger. C'est quoi le véritable héritage qu'on veut transmettre à ses enfants ? J'ai dirigé les entreprises pendant 15 ans. J'ai eu des gens très très compétents autour de moi qui sortaient des meilleurs cabinets conseils, des meilleures universités. Quand ils arrivaient dans mon bureau à l'entretien pour prendre la direction d'une division ou d'une filiale, je posais toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ? Qu'est-ce qui donne un sens à votre existence ? Quel est votre talent inné ? Et sur une demi-page A4, expliquez comment, avec le projet que je vous propose et qui vous êtes, on va créer de la valeur pour tout le monde. Très peu de personnes étaient capables de répondre à ça. Mais être un manager holistique du nouveau monde, c'est d'avoir fait déjà ce chemin. Et puis la quatrième intelligence, c'est ce qu'on appelle une intelligence, un quotient systémique. C'est de connecter les dots, comme on dit en anglais, c'est d'avoir une pensée holistique intégrale. La consanguinité, le silo, ça nécrose tout. On va devoir inventer un monde qui n'existe pas encore, on va devoir être extrêmement créatif. Donc il faut que les gens aient le réflexe cérébral de penser de façon latérale, d'aller chercher ailleurs les solutions. Il y a un exemple que Günther n'a pas cité ce matin, je cite souvent, qui est un très bon exemple de pensée latérale. Ce sont les Japonais qui se sont inspirés du Kingfisher, du Martin Pêcheur pour résoudre un problème avec un train à grande vitesse. Ils ont un train qui s'appelle le Shinkansen. Quand le train rentrait dans les tunnels à cause de la densité de l'air, le train était soumis à des vibrations très très fortes. Avec une approche traditionnelle, computer, ingénieurs et autres, ils ne sont pas parvenus à résoudre le problème, sauf qu'un des ingénieurs était ornithologue. Et il s'est dit, mais bon sang, le Martin Pêcheur, il a le même problème. Il vole, il doit être efficient et il plonge. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont modélisé le bec, ils l'ont adapté au train, la vibration a disparu, la vitesse a augmenté de 10%, la consommation d'énergie a diminué de 15%. C'est ça un quotient systémique, une pensée intégrale. Alors, une vision intégrale, c'est toujours bon,
fond, Christophe? 5 minutes. Une intelligence collective, une organisation, pas une gestion analytique. On ne réussira pas ça dans le long terme si on ne change pas les mesureurs de performance économique. Première chose, c'est que le produit intérieur brut, c'est une hérésie complète. Pourquoi? Plus il y a de cancer, plus le PIB augmente. Je crois que Navi l'a montré. Ça ne prend pas en considération les externalités. Donc oui, on doit changer le mesureur, les agrégats économiques, au niveau macro, mais également au niveau micro. Ça veut dire qu'on doit changer la façon dont on mesure à la fois la valeur et la performance d'une entreprise. Et il y a dans la salle plusieurs personnes qui sont porteurs de ce projet. Donc changer les mesureurs, c'est aller au-delà de la performance financière. C'est de prendre en considération la création ou la destruction de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Vous entendrez parler encore plusieurs fois pendant ces deux jours. Il y a un mouvement qui est parti des États-Unis il y a 10 ans, j'ai eu la chance de connaître au tout début, qui s'appelle B Corporation, et qui vise justement à accompagner les entreprises qui veulent changer leur raison d'être, voire même leur statut, et aller au-delà de la rentabilité, et intégrer dans leur statut et dans leurs obligations la création, ou en tout cas la mesure de la création ou de la destruction de valeur pour l'ensemble des parties prenantes. Le modèle vient de se lancer en Suisse. Christopher est un des supports, le président est dans la salle. Si vous avez des questions, interviewez Jonathan. Et le modèle suisse est extrêmement percutant. C'est déjà 2000 entreprises dans le monde, je ne sais pas combien il y en a en Suisse aujourd'hui. Au-delà de l'aventure humaine, au-delà de l'aventure entrepreneuriale, ça répond à un besoin qui est urgent, c'est de changer les mesureurs de performance. Alors, puisqu'il me reste 3 minutes, je voudrais vous dire que les solutions, elles existent fondamentalement. On les a. L'écologie globale, c'est la somme des écologies individuelles. C'est la somme des écologies intérieures. C'est le saut de conscience dont parlait Navi. Et comment est-ce qu'on y arrive? Si demain, vous voulez devenir acteur de ce changement, ce n'est pas le fait de trier vos poubelles. Il vaut mieux d'abord commencer à travailler sur vous. Vous faites partie du tout, vous influencez le tout. Et ça veut dire quoi être en harmonie? Mais de mon point de vue, c'est d'avoir la compréhension qu'on est un être holistique. Si vous voulez être en harmonie, si vous voulez développer d'autres potentiels, vous devez apprendre à aligner 4 corps. Votre corps physique, c'est le véhicule, c'est le temple de l'âme. Apprenez à l'écouter, à lui faire faire du sport, à le nourrir intelligemment. Le corps mental, c'est le plus grand des polluants, celui qui pense, qui analyse en permanence. Et comme dit très bien le philosophe canadien Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent », le mental est le plus grand des polluants. On vit en permanence avec l'angoisse du futur ou l'amertume du passé. Mais rien ne s'est jamais passé dans le moment présent. Rien ne s'est jamais passé dans le futur ni dans le passé. Tout se passe toujours au moment présent et on n'y est pas. Apprenez la maîtrise de vos pensées. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pensée. Elle génère une énergie. Elle déclenche le corps émotionnel. C'est la bombe atomique. C'est l'effet placebo ou nocebo, ça vous tue ou ça vous sauve. Quand vous parvenez à avoir une hygiène de vie, à aligner ces 4 corps, ces 3 corps émergent tout naturellement et beaucoup plus facilement le corps spirituel pour chacun d'entre nous. J'en terminerai en disant que, oubliez tout ce que je viens de vous dire, puisque c'est probablement une redite des choses que vous saviez déjà, je suis un perspectiviste, et retenez peut-être 2 citations d'hommes qui pour moi illustre tout. Un illustre l'intelligence intellectuelle qu'on va devoir avoir besoin, et l'autre l'intelligence du cœur, on va devoir connecter les deux. Einstein, qui a fait ses études, si je ne m'abuse, à Zurich, disait « Vous ne pouvez pas résoudre un problème avec le même état d'esprit qui l'a engendré. Apprenez à développer une pensée latérale. Apprenez à trouver l'inspiration dans la nature, voire même plus loin dans l'atome. » Et puis, c'est Gandhi qui disait « Soyez le changement que vous voulez être dans ce monde. Ça commence ici et maintenant avec vous. » Je vous remercie.